Merci beaucoup. Ça c'est un ensemble. Ça c'est mon tiaï. Agnelli. La fusou. Mais vous tenez ni on y est vous. On veut plus vieux. La jeune de pouvoir. Une canne de fleurs. Merci. Donc on est souvent ensemble à toi. Rien de plus que moi. Chef Mignolet. Est-ce que je peux compter sur Vincent là vraiment? On a fait ça. Tu vas tailler ça. C'est mon moment. Moi-même, je m'appelle Kwadjo. Donc, après Kwadjo, après. Voilà. Quand je suis venu, je ne vous ai pas promis des routes, je ne vous ai pas promis des écoles, je ne vous ai pas promis des hôpitaux. Quand je vous ai dit que le député ne pouvait pas faire tout ça, je vous ai dit que le député, son travail, c'était d'aller voter des lois et d'aller parler en votre nom. Et vous avez dit que ce n'était pas le cas. Vous avez dit qu'on n'a pas de bons députés ici. La plupart des candidats, il y a deux cas, soit ils viennent pour vous mentir, ils viennent vous dire qu'ils vont construire route, ils vont construire école, ils vont construire hôpital. Et comme ils ne peuvent pas faire ça et que c'est faux, quand vous finissez de les voter, ils s'en vont et puis ils ne viennent plus. Les autres candidats, il y en a un qui est là actuellement. Voilà, c'est lui qui est député. Et là, nous tous on sait que non, c'est fini pour lui. Parce qu'il est venu, il vous a menti. Est-ce qu'il est parti comme ça, on peut le suivre? À côté aussi là, il y a d'autres là, ils étaient ici, vous les avez votés comme députés. Et puis bon, après vous avez vu que la personne n'a rien fait. Et puis vous avez dit, ah nous on ne veut plus que tu sois notre député, il faut que tu es là. Voilà, et donc c'est un peu comme dans le petit cotocoli qui est en brousse là-bas. Et le cotocoli c'est que bon, les gens ne l'aiment plus. Mais le cotocoli c'est que dans la forêt là-bas, il y a un animal que les gens respectent. Il y a un animal que les gens aiment. Et donc le petit cotocoli, cet animal en fait, c'est l'éléphant. Et donc le cotocoli sait que les gens ne l'aiment pas. Le cotocoli saute, il vient sur le dos de l'éléphant. Ah, je suis le bon petit de l'éléphant. Ce qui est votre totem, c'est mon totem et je ne vais pas manger ça. Indépendant. Monsieur l'amour, à mon tirien, au tinkirien. Député ou bien c'est lui qui est député? Est-ce que avec les routes que nous avons ici, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 55 ans, 60 ans, bien 65 ans, là, il peut parcourir le village là pour venir régulièrement vous entretenir sur des questions? Est-ce que depuis que vous êtes ici là, un député a une fois venu vous expliquer des lois, il veut venir régulièrement vers vous pour vous expliquer les lois qui sont votées? Si moi je suis élu député, je veux aller vers ces ambassades là pour frapper à leur porte pour demander le soutien. Et partout où je suis passé, j'ai vu des opportunités. Et je sais qu'avec le statut de député, il me sera plus facile d'aller chercher ces choses-là. Dans la circonscription de Kounonfla et de Bazré, nous avons plus de 130 villages. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 55 ans, 60 ans ou 65 ans peut parcourir, peut s'y aller régulièrement dans ces villages-là pour aller travailler? Est-ce que quelqu'un peut prendre une moto pour quitter Kounonfla pour aller jusqu'à Yaoundé-Sankro? C'est difficile pour ces personnes-là. Et donc, vous votez des personnes qui sont âgées et puis après, on se fait, ah, quand les votes-là, ils ne viennent plus ici. Donc,
Si je suis député, je vais donc aller frapper aux portes, frapper à plusieurs portes pour chercher des opportunités pour venir vous aider ici. Et donc moi, je viens vous demander de me voter comme votre député afin de non seulement aller parler pour vous à l'Assemblée nationale, mais également profiter de mon statut de député pour chercher les moyens pour venir vous soutenir sur le plan local ici. Merci beaucoup. Ça c'est ensemble. Pas seulement tu as eu. Agnelli. La fusou. Mais votre année n'y a rien eu. On t'a dit frère. Merci. Est-ce que je peux compter sur Vincent là vraiment? On a fait ça. Tu vas gagner ça. C'est mon mot même. Moi-même, je m'appelle Kwadjo. Donc, après Kwadjo, après à quoi?